Adieu les limousines avec chauffeur et bonjour le tracteur. Oubliez les 5 étoiles somptueux. 14 célébrités abandonnent luxe, paillettes et privilèges pour vivre dans une ferme pendant 10 semaines où chacun doit tenir le plus longtemps possible car c'est pour la bonne cause. Leur sort, il est entre vos mains. Avec Élodie Gossuin, Hilario Calvo, Eva Kovalevska, Mousse Diouf, Mia Fry, Sébastien Mourat, Daniel Gilbert, Vincent McDoum, Evangélie, Maxime, Ticia, Pascal Olmeta, Céline Balitran, Massimo Gardia. C'est sûr, ça les change. Salut Patrice. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que cette bonne petite journée de dimanche? Ah ben c'est dimanche. Alors, dimanche, on est bien, on a envie de quoi? On a envie de guincher, on a envie de guinguette, on a envie d'accordéon, on a envie de un bandonnéon. Ah oui, de bandonnéon, si vous voulez. Enfin, tout ce qui fait de la musique, de la chanson française, on est ravis, on a envie de s'ébrouer. Ouais. C'est dimanche, quand c'est dimanche. C'est pour ça un petit peu qu'on est dans une... Comme quand on dit à Joinville-le-Pont. À Joinville, oui, c'est ouais, ça, dans les guinguettes. Du côté de Nogent. Voilà, du côté. Je vais te dire, sur la Marne qu'on est. Ah ben alors, c'est formidable. Alors, quand même, on est bien. Quand même, on est bien, on va danser. Mais j'aimerais quand même qu'on parle un petit peu, parce qu'hier matin, hein, après le Big Show d'avant-hier soir... Toutes les familles sont revenues voir quand même toutes nos célébrités. Ah oui, oui, il y avait Patrick et Mama. Ah, ça c'est le mari à Daniel. Oui, c'est de Daniel. Ah, de Daniel, oui. Il y avait Cali. Ah, Cali, ça c'est la fiancée à Sébastien Bois. C'est Sébastien qui est beau, des gros muscles ouais, sur les bras. Costaud, ouais. Il y avait qui? La femme de Monsieur le Métain. Oui, elle avait avec les deux petites filles qui sont charmantes aussi. Charmant, lui aussi, il est charmant. Il y avait toutes les familles. Il y avait Michel Rostin. Ah, ça c'est le manager rêve. Voilà. Et qui sont aussi son petit ami, peut-être, je ne sais pas. Son petit ami, ça, c'est un tennisman. Oui. Aussi, c'est Roland Garros, c'est tout. C'est normal. On mélange tout, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave parce que, en même temps, je vais vous dire une chose. Moi, j'aurais été comme ça, une célébrité dans la ferme. On m'aurait fait débouler la famille comme ça. Oui. Ça aurait été que du bonheur. Ah ben, on dit, on est bien dans ce cas-là. Musique. Non, les images. Ah, elle était bien la surprise. C'est certain. Ah, de l'air frais. Puis c'est marrant parce que nos proches, ils sont ensemble comme nous, on est ensemble ici. C'est très sympa. Sauf qu'ils doivent sûrement pas se disputer. Ouais, c'est pas amusé, quoi, que... Ils se retrouvaient et tout ça. Bah, regarde, Patrick et ta maman. Moi, j'étais en train de vouloir les présenter, mais ils se connaissent mieux que nous. Hein. C'est dingue. Mais... Regardez-moi. Je suis le plus beau du quartier. Je suis le bien-aimé. Dès qu'on me voit, tout comme on vous dit. Va me charmer lorsque j'arrive. Les femmes, elles me frôlent de l'âme, regard penché, bien malgré moi, ouais. Je suis le plus beau du quartier. Youhou! Y'a quelqu'un? Coucou! Youhou! Les voilà! Oh! Ils sont là! Il y a que lui! Il y a Seb! Ouais. Voilà! Il y a Seb, c'est bien! Elle a dit! Il y a tout l'écueil! Hein. Bah viens voir les vaches, non? Tu veux rester assis? Ces fauteuils me paraissent très... Ah non, ils sont pas confortables du tout.
Tu vas pas rester là, toi. C'est pas mal. Allez, viens, on va aux vaches. Viens, Patoche, viens. Hein? Viens voir les vaches. Allez, viens. Non, mais je... Chaque fois que je regardais les films, je disais, ils sont bien dans ce petit salon-là. C'est très confortable. Allez, viens, Patoche, viens voir les vaches. Allez, viens, on va, oh là on là, va voir les vaches. Allez-y. Viens, allez-y. Hop. Oh. Tu t'asseoiras sur une botte de paille. Je m'asseoirai sur une vache. Tu pointes vraiment les deux mains, comme ça. Tu pointes vraiment les deux mains, comme ça. Et tu fais ça. Voilà. Et tu fais l'autre. Voilà. 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 Tu vois, ça se fait tout seul. Sans jamais, je fais ça. Tu m'auras tout fait faire. Ah, le son, c'est bon. Ça veut dire que c'est bien très. Ça, c'est super. Quelle sensation ça fait, Nan? Je me concentre, Vincent. Je me concentre. Allez, Pompon, une louche. Alors, mon Pompon, t'es bien sérieux, bien grave. Hein? Quand il y a à manger... Ouais, tu fais ça tous les matins, donc. Eh ben. Vers la fin, j'ai un peu laissé tomber, mais la première semaine, j'ai ça. Oh là là. T'amènes de l'eau à tout, le monde, quoi. Tous les animaux. Surtout aux vaches. Il faut, tu vois, il faut faire super gaffe qu'elles aient toujours un minimum d'eau. Oh là là, t'en as des choses à remplir. Tu veux que je t'ouvre l'appart? Bah, ce serait bien, ouais. Je sais pas. Hein. En même temps, tu te démerdes, hein. Bah, je t'aide pas, hein, de toute façon, ça sert à rien. Là, tu fermes? Oh, il est mignon. Tu fermes? Je ferme? Ouais. Mais t'as peur de quoi? Du courant d'air? Que les foules sortent. Bah, dis-toi, je vais mettre la farine dedans. Vas-y. Merde, il a mis ses pieds dedans. Ils sont occupés. Ah, calme-toi, mon grand. Ouais, je vais mettre la farine là-dedans. L'eau, par contre. Easy, take it easy, boy. Regarde comment on fait pour l'eau, mon bébé. Faut enlever comme ça. Ok. Non, c'est pas trop. Il est là. C'est furieux. Ça va, il y en a plus. Il y en a plus. Attention. Non. Ah, pas moi. Ah, bien. Mais le ok, Michel. Allez, je bloque vas-y. Les cochons. Vas-y, c'est parti. Yeah. Ah là. Vas-y vite. Attention. Là, pour leur mettre, il faudrait que quelqu'un la. Allez, c'est bon. Allez. Voilà. Ouais, bravo, mon bébé, t'as juste un peu éclaboussé. Il y en a plus, allez, mets la tête dedans. Ça fait l'eau. Et maintenant, qu'on mette de la farine. Et maintenant qu'on met de la farine, tu la mets là, je te l'amène. Pardon. Le pauvre, j'ai fait grandir les cochons. Voilà les pépères. Mais c'est les stars. Ça va, un petit peu. La farine. Ils sont violents. On va la mettre là. Vite, alors la farine là. Et voilà. On va nettoyer. Ça va prendre un râteau. Et puis on va le nettoyer. Un bisou pour te récompenser. On est tous les deux, je pense, sur un petit nuage parce qu'on ne s'est quand même pas vu depuis un mois et demi. Et ça, il n'y a rien de plus dur pour nous puisqu'on est tout le temps ensemble, 24 heures sur 24. On ne se sépare jamais plus de 2 jours d'affilée. Donc là, je crois qu'on est sur une autre planète. On est sur notre planète. Très belle journée. On a un beau soleil. On est assez nombreux. C'est très sympathique. Moi, j'apprécie beaucoup. Puis c'est un beau cadeau d'être venu ici pour nous. Je pense que c'est un beau cadeau pour eux qu'on soit venu un petit peu les soutenir aujourd'hui. Papa! Allez, appelle-le. Papa! Papa! Et là, bon, papa. Et les bébés! Quoi? Oh, mon amour!
la ferme. Bonjour. Tu as fait un gros dodo? Oui. Et puis dis-moi, papa. T'as le rhume? Oui. Oh. On va mettre le gilet. Mmh. Bonjour, amour. Regarde, Doudou. Nat, c'est ce que j'ai. Mon cadeau? En fait. Oui. Oui. Cadeau. Viens t'asseoir. Viens sur le lit de papa. Il n'y a pas de paquet. Tiens, tu donnes à ton papa? Ton cadeau. Oh, merci. Bisous alors. D'amour. Tiens, et ça, c'est pour Vincent que tu vas donner à Vincent? Toi. C'est pour Vincent. Va donner à Vincent. Vincent. Oui, ma chérie. Merci. Fais le bisou, fais le fais bisou. Fais le bisou, Vincent. Oh, merci, ma jolie. Oh. Et ça, c'est pour moi? Non, tu l'enlèves. Maman, elle l'enlève. Tiens, elle le dessine. Moi, je suis. Fais la pierre. Merci. Merci. Regarde la poulette, elle est rentrée. Okay. Cassandra, regarde, va chercher les œufs. Va chercher les œufs, là. Va les chercher. Regarde, regarde ta sœur. Va derrière, viens. Va chercher, donne-la à papa. Va les chercher. Donne à papa. Faut pas les faire tomber, hein. Donne à Vincent, à Vincent. Il y en a d'autres? Non, c'est tout? Ouais. C'est tout? Ben, on va la mettre à l'intérieur. Hein? Ben, viens. Non. Viens, on va la mettre à l'intérieur. Non! Elle va se casser! Non, non, ne tapez pas! C'est cassé déjà. Donne à Vincent, donne à Vincent. C'est cassé déjà. Elle a déjà cassé. Non! Non, mais tiens. Laisse! Laisse, Cassandra. Quand il dit je dois boire plus. Bon. Fais gaffe, ça pique, hein? Ça pique, oui. Ça pique les poules. Ça pique les poules. Regarde, il y a l'oie qui arrive. Hein. Là-bas. Là-bas. Gaffe. Elle fait bien. Et comment elle sait qu'il faut enlever les... Elle voit la télé. Alors Patrice, on peut dire quand même qu'ils ont une chance inouïe dans cette ferme. Hein. Ils ont leur famille, ils ont leur famille. Quel bonheur, et nous on est là en célibataire. Il n'y a plus personne. On a envie de guincher, mais ça manquerait pour un petit peu de gonzesse. Un petit peu quand même. Alors il y a des couples d'amoureux, tout ça, mais nous, ouais, ben, on nous, est seuls. Alors on lance un appel, s'il y a des filles qui passent bien du côté de Joinville, là, et hop, qu'elles viennent nous voir. Joinville-le-Pont. Alors dites donc, ils sont bien éclatés, là, c'est une bonne ambiance. Et alors vous savez quoi? Ils continuent à s'amuser avec toute la famille, les animaux et tout ça. Hein. Écoutez, là je voudrais bien vous dire un truc, mais j'ai un trou. Ah bon? Ouais. Et bon. Je suis pas le seul. Comment ça? Je suis pas le seul. Comment ça, vous êtes pas seul? Regardez-moi ça! Qu'est-ce qui se passe? Regardez-moi ça, c'est du propre. Oh, dites c'est donc! C'est un trou, monsieur. Oh, dites donc, tu veux m'en payer une de liquette? Ah ouais, mais t'as des fois, il n'y a pas de trou quand on vient comme ça. Hey, je vais te dire. C'est le dimanche. Alors moi, j'ai un problème de liquette, mais eux, à la ferme, ils n'ont pas de problème de liquette. Ah non. Ils ont joué avec même. Tous les animaux. Avec tous les animaux. Garde donc, musique! Musique, fais danser la population. Très bien. Tu veux lancer, t'en vas ? On est bien, on est bien ! Oh, on est bien ! On est bien ! Ça, c'est parfait. Ce que je veux, c'est m'en trouver un peu seule avec toi. Laisse-moi t'aimer. Tu m'as manqué, mais convaincant. Toi aussi, mon amour. Enfin, moi, j'ai un avantage sur toi, c'est que moi, je te vois tous les jours. Laisse-moi
Faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, veux-tu le faire aussi? Une hirondelle fait mon printemps. C'est un super cadeau, c'est une super belle journée. Malheureusement, elle va bientôt se terminer. Ah, ça va être le plus dur en fait. C'est dans une heure, quand il faudra partir. Ouais. En fait, moi, je vais me cacher. Derrière un olivier, là, j'ai trouvé un petit coin, je vais me cacher. On ne dira rien à personne. Ça restera entre nous, hein, voilà. Ouais, elle va se cacher. Ouais, elle va te cacher, ouais. Qu'est-ce qu'il va faire après? Je crois qu'il n'y a rien. Laisse-moi t'aimer. Là, la vitre, elle est extrêmement sale, la coupe. Vous voyez, là, elles sont bien, là. Elles ont été faites. Là. Mais on n'arrête pas, hein, de la journée. C'est fatigant, hein. Allez. Santé, bonheur, va dans ton cœur. Plaît dans ton corps. Azaloud. Chine. À ce qu'on aime. Tout qu'on aime. Santé. Chine. Il n'y a pas de verre. Chine. Je n'ai jamais traité, je n'ai jamais dit les choses. Oui, parce que c'est déformé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est des personnes ici qui déforment les choses. Ouais, et puis c'est le fait que vous êtes tous oui, mais oui, mais je prenais le temps pour le comprendre. Mais lui, il n'a pas pris le temps de me comprendre. Et c'est là qu'il a fait des blocages. Et ces blocages à lui, il va devoir vivre avec ces blocages parce que moi, j'en ai pas. J'ai toujours confronté. Toute ma vie, je confrontais les choses. Et après un moment, quand je voyais qu'il faisait des blocages, je laissais tomber. Et maintenant, je laisse tomber. Maintenant, c'est plus moi qui va faire les pas. Moi, je n'ai suffisamment fait. Maintenant, c'est à lui de bouger s'il a envie qu'il y ait une amitié entre lui et moi. Et je le redis à Kali, j'ai envie que l'amitié commence ici, avec des petits gestes, des petits mots. Et ce n'est pas tout simplement à l'extérieur, parce que j'aimerais bien au moins avoir un début d'explication ici, pas à l'extérieur. Sébastien, il est tellement intègre et quand il a des idées bien précises, tout ça. Mais, il... mais par rapport à moi, ses idées ne sont pas précises, pas claires. Et malheureusement, vous êtes peut-être mal compris. Et mais je lui, pense j'ai compris que... qui il était. Mais lui, je il pense, a pas compris. J'ai lu, enfin, je t'ai vu dans certains interviews, c'est vrai que tu l'as. J'ai toujours aidé. Quoi, tu vois. J'ai toujours aidé. C'est clair, c'est clair. Je pense que Vincent, oui, il a envie de faire le premier pas et Sébastien, bah, il est fier. Donc, je pense qu'il a. Il fera pas le premier pas, c'est clair. Mais je pense que ça s'arrangera. Hein. Ça s'arrangera, c'est clair, je pense. Ils sont assez intelligents tous les deux, quoi. J'espère. Je ne suis pas à l'extérieur, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais la conversation que j'ai eue avec toi, c'est mon côté féminin qui est venu vers toi. Mon côté masculin peut aller vers Sébastien, mais mon côté masculin a pris un coup de... Parce que mon côté masculin a vraiment fait le pas plusieurs fois et il y avait toujours mu et mon côté masculin n'a plus envie de réagir. Moi, ça me ferait plaisir que ça soit moins tendu entre vous deux parce que c'est vrai que la manière... Et je crois vous que vous retrouvez... ça ferait surtout plaisir à tout le monde à et tout ça monde, détendrait tout le monde. Et il y a une tension que en plus de ça, t'as l'air gentil comme tout, Sébastien aussi. Ouais. Je ne comprends pas qu'il y ait c'est vrai que ça plombe un peu tout le truc. Vous êtes enfermés. Tu sais, Vincent, c'est aussi comme un couple. Il faut être à deux. Exactement. Mais c'est exactement ce que je dis. Donc c'est ce que je dis à Seb, hein, tu sais. Je lui ai dit, voilà, sois cool, prenez-le à la rigolade. Voilà. Vous êtes dans un endroit super sympa. Et profitez-en. Voilà, c'est surtout fond, ça. Là, et après, par la suite, comme tu dis, bah, à l'extérieur, oui. Je suis sûre que mais tout ira bien, quoi, vous en rigolerez. Quoi. Ça va? Comment? Ça va, la cadence? La cadence est bonne. C'est l'ingénieur qui surveille, tu sais, il dit que... L'inspecteur de travail. Vous voulez pas que je vienne compter? Un et deux. Ah, j'ai un peu de retard. Bon. Oh! Maman. Ça avait été trop vite. Maman. J'étais en train de rompre la chaîne de la cadence. Mais non, justement, je vais ranger entre-temps parce que ça suit pas la plonge. Ça suit pas si tu mélanges. Tu te rends compte de ce qu'il faut entendre? Enfin, vaut mieux entendre ça que d'être court. Hein. Maman, attention, hein. Attention. Ça suit pas à la plonge. Eh ben, dis donc. Hein? Et Patrick confirmera. Hein, c'est vrai. Je suis moi. Oui. Rien que le fait d'être là et sa façon d'être, ça m'apporte beaucoup.
énormément. Et le fait qu'il soit là toute une journée, bah, c'est super. D'abord pour le bonheur hein, d'être avec lui, c'est surtout ça. Et en plus, il me dynamise, il me dope pour la suite. Merci Patrick. Je vous en prie. You're welcome. Tu veux bien, regarde. Regarde, c'est ce que tu fais. Hop là, regarde. Regarde, tiens, avec l'autre. Regarde. Qui va me voilà. T'as vu, c'est rigolo, hein. Oh, oh là là. Ah, non, mais tiens, n'aie pas peur. Oh. T'as vu sa queue? Elle est toute contente. Oula! Non, mais n'aie pas peur. Elle a faim, hein? Oui. Eh oui, hein? Oula! C'est trop mignon. Maman, je veux le dodo. Ça lui donne envie. C'est trop mignon. Tu veux faire le deuxième? Elle en prend deux d'affilée. Ah ouais. Elle est trop rigolote, hein. C'est sa petite queue qui fait. Oh là 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 là. Consado. Consado. Oyez, oyez. Ami fermier. Voici venu le moment de la fête. Premier jeu, course dos à dos autour de l'enclos à moutons. Attachez Doado 2x2 avec les ficelles. Tout le monde au départ. Daniel et Patrick arbitreront. La chance. Deuxième jeu. Course en sac à côté de la charrette. Départ là où se trouvent les sacs. Eh bien, il n'y a plus qu'à mettre des bonnes baskets. Avancez un petit peu. Attention, attention. 1, 2, 3. Oh là là, les costauds ont démarré avant. Attends. C'est bon, on a le cas. On a le cas. Il nous dit qu'il est coincé là-bas. Allez. Premier Pascal, deuxième Seb, troisième Aigle, Vincent et tranquillement Elodie. Il y a la poussière. Et ouais. Bien. Allez, cours. Ouais. Bah, gagner. Allez, on s'entraîne à marcher. Allez, on s'entraîne. Attention. Moi, je marche. Deux. Et il a gagné. Ouais. Regarde, ils arrivent. Regarde. 1, 2, 3. Bah bonjour tristesse, moi que je dis, monsieur Cramouse. Terrible. Ah, attends. Tu leur amènes ça, les célébrités, ils sont dans la ferme, ils sont là isolés. Des semaines que ça dure, oui. Hein. Et tout d'un coup, le cadeau, don du ciel, la famille qui leur tombe dessus, avec les mômes et tout, hein, pour pas... Attends, et tout d'un coup, tout ça s'en va? Tout ça se retire. Est-ce que ce serait pas un peu de... malheur? C'est du malheur, c'est presque ce bonheur qui arrive et qui s'en va, c'est du malheur. Ah oui, bah alors là, monsieur Cramouse, moi j'ai besoin de votre savoir, hein. Est-ce que le malheur, il serait pas aussi futile que le bonheur? Alors là, je suis quoi? Bah vous êtes vous, Patrice. Vous êtes je suis quoi? Oh, moi, ce que je vous dis, c'est qu'on va enchaîner, c'est tout. Moi, je dis musique, tout. Ah, ça, s'il y a de la musique, ça, c'est bien.
cette musique, ce bandoneon qui est là, qui bandoneon, qui nous emmène, qui nous repasse. Et avec Ali et Sébastien, Evangélie, Michel Rossin, Daniel et Patrick, c'est maman. Ils sont partis, les célébrités sont revenues, et ils sont restés à plein terrain, la fête. Dis au revoir à tous les animaux. À la télé, maman. À tous les animaux. Moi, je veux voir. Je veux voir. Les moutons, ils sont là. Vous êtes bien, profitez-en. C'est une aventure que tu revivras jamais. Non. C'est clair. Bébé, je t'aime. C'est la dernière fois qu'on était tous les deux dans les yeux. C'est moche, c'est ok. Bonjour, Nicolas. Un petit peu. Moi, oui. D'accord. Oh. Voilà, mon bébé, merci pour ça. C'était beaucoup plus vite pour le point. Changez l'arbre, tu m'en manques. Sois forte, t'as très joli, c'est très bien. C'est une poudre, n'oublie pas que je t'en regarde et puis. Tu m'impressionnes? Hein? Tu m'en veux déjà parce que. Je te fais ton boulot de réduction cette semaine. Ça grave. Non, c'est plus vite, tu vois, d'accord, mais non, c'est plus vite. Ouais. Au pire, là, tu vas mettre une petite pause. Ouais. Donc, tu vas te reposer et puis ça va passer. D'accord, mon amour? Ok, je vais tenir. Ça m'a fait du bien. Franchement, ça m'a fait. Mais oui. Tu aurais préféré que je ne pas? Non. Alors, tu vois. Bonne chance, continuez bien. Ouais. Soyez les meilleurs, tous les six. On vous regarde. Ciao. Je t'aime, ma puce. À bientôt. À bientôt. Il n'y a qu'une larme dans tes yeux. C'est toujours la seule réponse. Quand je te dis qu'il vaudra mieux. Nous serons voir nous deux. J'étais certes assez de voir que la dame tient. Comme si toi, une larme a tout changé. Ça va. Pleure pas, trop mal, je vais y remettre. Pleure pas. Pleure pas. C'est des larmes de joie.
Déjà, franchement, on a passé une super journée. Ça nous a fait du bien. Oui, c'était vraiment bien. C'est vrai que c'était bien. Des larmes de joie. Puis c'était sympa de connaître les proches de tous les autres. Ah ouais, on a tous communié ensemble. C'est vrai que moi, j'avais tendance à rester plus comme ça avec mon chéri, parce que c'est... J'en ai profité, là. Je l'ai vraiment... J'ai enlevé mon chapeau. Je l'ai vraiment... Non, mais c'était sympa. Je l'ai vraiment collé. Tous... les proches sont tellement adorables, tous, que vraiment, c'était un bonheur. Oh, c'était... Oh là là, moi que je dis, moi dès que je vois des gens partir, baguette. C'est pour ça que je vais jamais à la gare, moi. Les non. Au revoir, tout ça, c'est pas mon truc comme du ça, tout. Avec... Oh, non. Enfin, si vous voulez être un peu plus gay, vous pouvez gagner un week-end de rêve à l'hôtel 4 étoiles à proximité de Visan, attention. Hein. Et là, vous pouvez jouer avec nous par téléphone en répondant à la question suivante. Combien de célébrités et la ferme ont assisté au match sur M-Valence? Oh ben là, il y a de quoi de gay. Il suffit d'avoir son téléphone, on fait le 32-80, ou alors SMS, on fait ferme, on fait 62-500, et on gagne. Oh bon, je suis tout gay. Enfin, de quelques instants, ça sera la première soirée assise des célébrités. Forcément, ça diminue. C'est bien. Hein. Et quand on diminue, on dit... Minute. Et on se retrouve tout de suite après la pub, les gars. Allez, hop, là, allez, et puis de la patate, et puis de l'ambiance. Bien. C'est quand même extraordinaire, là, tout, cette pub, là. Vous appelez ça la pub? Non, mais attends, le truc où il y a tous les produits qu'on peut acheter et se faire plaisir de partout, là. Ah, ça s'appelle la pub. Moi, j'appelle ça la réclame. Ah, Patrice, vous voulez que je vous dise quelque chose? Oui. Vous êtes un has-been. Ah, oh, bah, ouais, vous êtes un has-been, exactement. La réclame, la réclame. Ouais. Bah, c'est combien qu'ils sont, eux? 3 fois 2, 6. Ils sont 6. Eux aussi sont six. Eh, comme à la ferme. Ah oui, à la ferme aussi, ils sont six. Ah bah oui, maintenant. Eh, alors il dit, première soirée à la ferme à 6. Oui. Il y a quand même de la jactance et du plaisir. Ah bah oui, enfin, il y a peut-être aussi de la tension, allez savoir. Ah. Dis donc, je danserais bien pour. Ouais. Tu veux? Bien. Oh là. Et alors, je sais pas si c'est éclate à la ferme, mais. Moi, c'est kiff, c'est bonne. On va aller voir ça. Image. Ce qui serait bien pour demain matin, non? 3 qui dorment et 3 qui... Ah ouais, ce serait pas mal, ça. Et le soir, à l'inverse. Exactement. Et le soir, c'est ceux qui n'ont pas fait le matin, qui font. Très bien, on fera ça. J'espère être dans les 3. Demain, on va faire... il a tout à fait raison, Pascal, il a une super idée. De tirer au sort, on met les 6 noms dans un panier, on va tirer au sort 3 personnes qui seront tout le matin. Donc les 3 autres pourront faire la grâce matinée. Oui. Ça, c'est super. Et le soir, c'est inversé, ceux qui vont pas travailler le matin, quand la grâce travaille. Ah bah oui, on peut faire ça toute la semaine. Hein, c'est-à-dire que ceux qui vont travailler le soir, demain, ils travailleront le matin, après-demain, c'est super. Au moins, chacun fait un coup matin, un coup soir, un coup matin, un coup soir. Et au moins, à 3, franchement, c'est largement suffisant, on n'a pas besoin d'être à 15 pour faire les ânes. On se bouffe moins, tu vois, on se bouffe moins les pieds, le machin, enfin, c'est plus cool. 3, c'est léger, non? Enfin, je sais pas. Comme il faut déjà 2 aux vaches, enfin, je sais pas. Par contre, pour la vaisselle, tu disais 3 jours de suite et les mêmes personnes à la vaisselle? Non. Ah. Une fois tous les 3 jours. Ah ouais, cool. T'as raison. Bah oui, ça fait 2. Ouais, et tout le monde y passe. C'est ben pour oui. La vaisselle, ben ménage, oui. On est 2. Ben oui, c'est... Donc très tous bien les 3 jours, tu y reviens, en fait. Bah t'as 4 personnes. Le lendemain. Mais je crois qu'on a compris, là. Non, mais j'aime bien qu'il m'explique. Non, mais je vous explique parce que... La logique. Pascal,
remonté en première. Ah, oui. Vous voulez que je vous fasse quelques mots d'avance, parce que j'ai pensé au texte, c'est tout à fait ce qu'on ressent. Vas-y. Ah, ben. Quand tu prends des initiatives comme ça, tu peux... Il manque quelqu'un près de moi. Je me retourne, tout le monde est là. D'où vient ce sentiment bizarre que je suis seule parmi tous ces amis et ces gens qui ne veulent que quelques mots d'amour. Je t'envoie mes voyages, je t'envoie mon décor, je t'envoie mes sourires des jours où je me sens plus forte. Je t'envoie mes voyages, mes jours d'aéroport. Je t'envoie mes plus belles victoires sur l'ironie du sort. Juste, encore ce refrain, parce que c'est cette phrase-là, ce passage, c'est celui-là qui me tue, quoi. Vu ce qu'on a vécu. Il manque quelqu'un près de moi. Je me retourne, tout le monde est là. D'où vient ce sentiment bizarre que je suis seule parmi tous ces amis et ces gens qui ne veulent que quelques mots d'amour. Rien que ce couplet, il raconte tout ce qu'on vit en ce moment, quoi. Tu sais, on est entre amis, on s'aime, mais pourtant on se sent seul et on a besoin de quelques mots d'amour, quoi. C'est vrai. Il manque quelqu'un près de nous. Oh, c'était presque aussi émouvant qu'un air d'accordéon. J'étais ému. Ouais, j'étais... vous savez, c'est un peu quand le soleil du printemps se couche sur la Marne. Oui. Et que l'obscurité, comme ça, elle vient doucement baigner la guinguette. Ah oui, et que les lampions s'allument. Oui, oui. C'est ça, les lampions. Oui. Ils sont partout. La nuit, le silence, quoi. Comment ça, le silence, la nuit? La nuit, c'est pas le silence, c'est la java, c'est la musique. C'est la guinche. C'est la guinche. Et alors, moi, je vais vous dire, on va se quitter sur les images que vous verrez demain. On va se retrouver très vite demain, à 19h. Et promis, pas d'accordéon. Que du plaisir, que du bonheur. Passez un bon dimanche. Ciao. Oh, tu m'en dingues. Oh, tu m'en dingues. Tu m'en dingues. Salut. Oh, demain peut-être. Peut-être. Oh. Dis donc, toi. Un frisbee. Tiens. Une bouse de vache frisbee. Ah, mais attrape-la là-bas. Vas-y, dures. Essaye, on va voir. On voit. Ah, je l'ai touché déjà, c'est bien. Tiens, c'est là. Regarde, je la prends même comme ça, même pas. C'est là, attrape. C'est dur. Mais non, mais tu fermes la... Vas-y, on va essayer une fois. Faut au moins que j'arrive une fois. Attends. Mais envoie-le bien. Hein. Ouais, ouais. Ça sent vraiment sèche, celle-là, elle date du début. Vas-y. Ah, ça y est, je suis une pro de l'attrapage de bouse. Ah, ouais. Presque. Avec le soleil, en plus, je ne vois pas grand-chose. Ah, ça, c'était pas dur. Ah.